Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 19 de notre Let's Play sur une fameuse premier lunon les amis. Premier épisode entier dans la nouvelle zone, le quartier historique où il y a les premiers fils qu'il faut dégommer avec des petites mines sur les toits qui vont nous faire chier, hein. Ça on va pas se cacher. Clairement, et les amis on va directement commencer avec la mission principale qui se trouve juste à notre droite. Allez c'est parti. Maintenant qu'on est débarrassé d'Alden, il est temps d'agir contre Kessler. D'un point de vue stratégique, il vous a bloqué dans le quartier historique. Rejoignez le pont basculant de la 19e et ouvrez-le. Ça vous garantira une issue si les choses tournent mal. 20 secondes. Vous serez où, vous ? Je serai là quand vous aurez besoin de moi. 5 secondes. J'ai déjà entendu ça. Bien, donc il va falloir qu'on abaisse le pont suspendu, comme ça au moins on pourra réaccéder au dédale ainsi qu'au néon, parce qu'il faudra... au néon, notamment. Ça va être cool, mais surtout les amis, comment on a fait pour attirer là? Excusez-moi, je vais rapprocher le micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Comment ça se fait qu'on soit là? Bah tout simplement, on avait battu Alden comme jamais les amis, on avait enfin défoncé ce petit pote là, le petit gaillard. Donc bon, il avait fait son mariole avec nous, bah on l'a défoncé, tu vois, il a fait son guignol comme on dit aussi. Alors, la voiture, tu vas te calmer. Alors il y a une boîte morte derrière nous, on s'en fout un peu actuellement. Et les amis, j'ai chaud, il fait tellement chaud, vous imaginez même pas à quel point, putain. Je suis au bout de ma vie là actuellement, donc si j'ouvre la fenêtre en plein milieu du let's play, ce sera normal. Ah, j'imagine que le pont va se bloquer, sinon c'est pas drôle. Même pas? Mais non. Oh, par contre le pont il a pris tarif. Oh, mais c'est pas le premier pont qu'on a explosé? Eh oui. Notre temps ensemble va bientôt prendre fin, Cole. Et je crains que vous ne soyez pas encore prêts pour ce qui vient. J'ai donc décidé d'accélérer les choses. Évoluer ou mourir, comme on dit. Est-ce qu'on peut commencer? Oh, God, un géant, les amis! On en avait croisé un la dernière fois! Mais là, cette fois-ci. Oh là 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 là, what the fuck, what the fuck! Attends, en plus, faut viser le petit monsieur qui. Wow, damn! Faut viser le petit monsieur qui est à l'intérieur. Hop! Oh là là, ça le transperce. Ça lui fait rien du tout. Hop, pam. Ok, je suis désolé monsieur. Voilà, c'est bon, on a réussi à le tuer. Non, on a réussi à le faire quitter son corps. Voilà, porteur vaincu 60. Je sais bien à quel point. Gros bordel. Je sais que vous l'aimez. Mais on a tous un rôle. Attends, qu'est-ce qu'il y a à faire à Triche là? C'est pourquoi elle est assise qu'est-ce qu'il y a... là près de moi. J'ai posé oh, le con. Une série de pompes dans la ville et chacune d'elles est programmée. Oh putain, il y a aussi les drones, c'est vrai, j'avais oublié. Toutes les désactiver avant qu'elles explosent. Elle mourra. Mais quel... Oh, mais quel enfoiré, les amis. Mais what the fuck. Attends, mais ça va être un truc chronométré. Mais non, jamais. Jamais, 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 jamais. Oh putain, les gars, voilà, là, voilà, là. On est dans la merde, là. Là, c'est moi qui vous le dis, les gars. Les prisonniers derrière la clôture électrique ont été tués. Vous... Oups. Merde, y'a des prisonniers derrière la bombe. J'avais pas vu, je suis désolé. Allez, on reprend depuis là, génial. MTI. MTI dans ces moments-là précis. Mange tes morts, mange tes morts. Vraiment. Entre vieux. Voilà, éclair en plein vol, fin de ta bouche. Eh, mais franchement, les gars, Triche qui est enlevé. Je suis pas bien là. Entre. Ça, c'est insupportable, les drones. Vraiment. Ah, je vous jure, c'est les pires trucs ça. C'est avec les petites bêtes là, ça c'est le pire truc au monde. Allez dégage. Dégage. Exécution 8 XP. What? What the fuck? Non 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 mais. Oh mais. Putain. Mais les amis, mais si on a Triche qui est là-bas, ça veut dire que le mec il est en otage et du coup il peut faire ce qu'il veut avec nous. Allez donc il y a des protés. Ok. J'ai vu les prisonniers. Putain. Même des tirs en pleine tête, ça leur fait rien, regarde. Mais what the fuck? Ils sont ultra cheatés, ok. Il faut leur mettre deux écarts dans la gueule, très bien. Ça marche, je peux faire ça. Voilà, parfait. Ok, mais on dirait qu'il nous soumet à des tests là, notre petit Kessler. Donc c'est très bizarre, attendez. Hop là, comme ça, plus de problème. Ah non, mais eux, putain, mais eux c'est une hantise en vrai. Hein. Vous imaginez même pas à quel point les amis. Ok, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Non, c'est bien parce que c'est au moment où tu vois où il est le gars, c'est... Pan, monsieur, je suis désolé. C'est vraiment facile de l'avoir. Hop, ça, tu vois, comme ça on va se faire un capture vif. On va faire remonter notre karma. Attention, bam, parfait. On a réussi à bien viser. Ok, 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 bien, 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 bien. Deux personnes vivantes grâce à vous, Cole.
frère, la sœur de quelqu'un. La bombe suivante est déclenchée. Mais t'es un grand malade en fait, hein. Ah, je vous jure que lui, il a un pet. On dirait que, mine de rien, comparé aux autres, tu vois, qui font « Ouais, je tue parce que pour me venger d'un truc », on dirait que lui, il veut nous mettre à l'épreuve de quelque chose. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. Mais vous voyez bien, enfin, il nous soumet quand même à des tests, donc bon. Oh, attendez, hop. Pour l'instant, quoi pour l'instant? Putain, il a faut le tuer. Merde. Faut le tuer maintenant avant que la bombe... Oh, ça, c'est le porteur, ça. Alors toi, tu vas prendre tarif, mec, mais comme jamais. Hop, ça dégage. Moi. Par contre, j'ai lâché un lourd rire, les gars, mais vous avez jamais vu. En plus, aujourd'hui, j'ai fait un déménagement, les mecs. Putain, mais il y a vraiment un minuteur? Oh! What the fuck? Putain, merde. La bombe va exploser, les gars. Ah, ça, pour moi, ça dégage. Ça dégage. Vite. Allez, allez, arrête. Ok, c'est bon, on prend. Ok, parfait. On a réussi. Oh. Ouais, génial, t'es un connard. T'es qu'un enfoiré. Merci, les gars, de m'aider. Ok. Non, pour la bonne cause, je vous jure, premier. Non, pas du tout, c'est pour triche, je vous avoue, que sinon je m'en serais battu les reins. Mais là, je vous avoue que c'est la première fois qu'on est aussi vulnérable à quelqu'un. Par contre, ça fournit l'électricité de base. Donc bon. C'est vrai qu'on arrête de nous prendre pour un con, vraiment. Aïe. What the fuck? Mais c'est quoi son problème à lui? Mais ouais, mais meurs. Oh yes! Coup et blessure. C'est bon. On a réussi là à faire un truc vraiment pas mal. Oups, il y a des gens qui sont un peu dans le pétrin. À cause de moi, mais bon, tant pis. Regardez, du coup, on a débloqué la cascade. Donc c'est maintenant dans les airs, tirer un ennemi avec l'éclair, puis toucher-le à nouveau avec un coup de tonnerre. Ouh, c'est un peu chaud tout ça à faire. Bon, ouais, non, ça va, c'est une des cascades les plus faciles à faire. Parce que je pense que tu fais ça. Oh, attention. L'odeur d'une personne. La façon dont ses yeux s'éclairent quand elle est heureuse. C'est un grand malade en fait, ce mec. Bon, attendez, on va s'en battre les reins au pire. On va vite aller à la bombe. C'est quoi? Et on va directement la désactiver. Comme ça, pas de problème. Voilà. Hop, comme ça, on a un peu rush le game, je vous avoue. Allez! Dégage! Mon dieu, il y a trop de gens. Ah, les gars, c'est le bordel là. Je vous avoue que c'est complètement le bordel. Avec l'autre à côté là. Il faut demeurer. Allez, ça dégage. Pour moi, moi, t'es rien. Non! Non! J'ai réussi à mourir! Oh le con! Oh, mais quel an. Eh, mais je suis un connard, ouais. Hein. Je suis un bon gros connard. Hein. Clairement. Ah, j'ai fait le fou là. Fois j'éviterai de faire le fou comme ça. Oh, par contre, mec, tu vas te calmer, mais instantanément. Tu vas arrêter de me prendre pour un con, merci. Hop là, la téloche, ça fait plaisir. J'aime bien parce que les télé dans le parc, tranquille, tu vois, posé. Vraiment, les mecs se mettent bien. Hop là, mais là, il y a combien de personnes? 5, vous croyez? Ah ouais. Ok. Alors pour moi, ça meurt aussi. Allez, parfait. Il tombe. Porteur vaincu, allez. Alors, on a quasiment fini, les amis. Eh mais c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Je vous jure que les missions là, mais il ne reste plus que... Non, ne remercie pas. Bon, j'ai réussi à le tuer avec ma grande qualité de comment ça s'appelle, de pile électrique ambulante. Parfait. Non. Putain, et je vous jure, je me prends un point de ça là, mais je suis tellement dans le mal. Oh, pardon, toi tu dégages. Oh. Et je me demande pourquoi les gens en fait ils m'en veulent. C'est à quel moment tu vois qu'elle sort se dit je vais le faire souffrir un point, les gars. Mais non, toi tu dégages aussi là. Mais... Oh putain, les gars qui font les marioles comme ça, ça m'irrite. Bah, c'est bon, ça va, je suis juste à côté. What? Plus que 10 secondes. Mais quelle bombe? Pour terminer, voici votre test final. Sur un toit triché suspendu, l'amour de votre vie. Sur l'autre, 6 médecins. Songez à toutes les bonnes actions qu'ils pourraient effectuer, aux milliers de vies qu'ils pourraient sauver. Qu'est-ce qui compte le plus, Cole?
vie d'un être cher ou celle de plusieurs inconnus. Des bombes sont posées sur chaque plateforme. Vous avez le temps d'en sauver une, mais pas deux. Choisissez. Oh les amis, alors ça c'est le pire choix qu'on a à faire dans le jeu, et c'est là où je vous ai dit que là franchement ce serait THE épisode à pas louper. C'est en fait on va devoir soit choisir un être cher, donc une seule personne à sauver, donc c'est le côté méchant, vous vous en doutez évidemment, soit sauver les scientifiques qui pourront sauver des milliers de personnes d'une maladie, du coup c'est le côté gentil. Qu'est-ce que voudrait Trish? Trish elle a toujours voulu prendre soin des gens et tout et tout. Après est-ce qu'elle veut mourir jusque là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle serait d'accord avec nous sur le fait qu'on est censé sauver plus de monde. Donc on va se diriger vers les scientifiques, malheureusement. C'est horrible comme choix. L'être aimé ou la vie de plusieurs personnes. C'est là-haut. Trish, ouais, elle est là-bas, regardez. Oh la pauvre. Mais comment il connaît aussi bien Trish, wesh? C'est what the fuck, enfin mais vraiment. Ce mec est de plus en plus spécial. C'est une forme pour quelque chose, les gars. Regardez, tous les scientifiques qui sont là. Voilà, bonne action. Oh, Trish va mourir, putain! Pitié, faites-nous descendre! Même si c'est très douloureux. Trish! Tout s'est arrêté avec la chute de Trish. Malgré mes pouvoirs, je n'ai pas pu la sauver. Elle s'est accrochée une seconde, assez longtemps pour me dire qu'elle était fière de ce que j'étais devenu. Fière que j'aide ces innocents grâce à mes pouvoirs. Et qu'elle m'aimait pour ça. Je l'ai enterrée dans le parc aux côtés de ceux qui sont morts depuis l'explosion. Kessler va me le payer. Je jure de retrouver ce sale enfoiré. Et de le massacrer. Et oui, Trish avec qui tout allait mieux est complètement morte en fait. Elle est décédée. On avait un meilleur ami, il nous a trahis. On avait une chérie, elle est morte, les gars. C'est horrible ce qui se passe pour Cole. Si vous m'aviez aidé, mais vraiment horrible. Trish serait peut-être encore en vie. Je n'ai rien pu faire. Elle était condamnée à la seconde où Kessler lui a mis la main dessus. 51 secondes. Oui. Parce que vous vous dites, mais Italo, si jamais t'avais été méchant. M'exposer pour sauver une personne, aucune chance. Mais je aucune chance. hop, tu te calmes, Denis. Mais Il utilise toujours les anciennes sous-stations externes. Ok, donc il va falloir aussi l'activer pour avoir notre dernier pouvoir, les amis. Et je pourrais gagner un nouveau pouvoir au passage. Exactement. Tout à fait. Alors, les amis, quand même. C'est... Vous vous dites, oui, mais si t'avais choisi le côté méchant, entre guillemets, bah, Trish, elle serait encore là et tu serais heureux. Sauf qu'il faut savoir que non content de choisir le côté méchant, en fait, dans tous les cas, Trish a été vouée à mourir. C'est-à-dire qu'elle aurait été dans le groupe des scientifiques. Et aussi, de ce fait, sa dernière parole n'aurait pas été les mêmes, parce que, du coup, là, elle est fière de ce qu'on est devenu. Mais dans le cas où on avait sauvé elle plus que les autres... Dans ces cas-là, elle aurait fait, tu n'es qu'un monstre, tu n'es qu'un démon, pense à toutes les vies que tu as prises à cause de ça, à cause de ce choix. Et du coup, voilà, donc franchement, la chose gentille, c'est la meilleure à faire. En tout point. Voilà, juste pour vous dire ça. Donc lui, il nous raconte toujours sa vie. Donc on va passer à quelques missions secondaires quand même, parce que moi, je me sens pas très en sécurité dans ces quartiers actuellement. Bon, alors, on va voir, propriété privée. Il y a un type blessé par ici. À quel moment la propriété privée c'est un mec blessé, les gars, calmons-nous. On dirait que ce type s'est bien fait amocher en essayant de défendre sa cantine. Je peux le soigner. Ou je peux m'emparer de ses fragments et m'en aller. C'est pas comme s'il était capable de m'arrêter. Tu n'es qu'un connard. Mais non, allez, hop, on va le soigner quand même, on va faire une petite bonne action. Parce que faut pas déconner, les gars. On est quand même là pour ça, on va un peu jouer roleplay. Même si la dernière fois j'ai pris la cantine. J'ai garni ma cantine d'explosifs pour éviter qu'on me pique mes affaires. Ah oui, donc dans tous les cas ce serait explosé. Tenez, prenez-les. Je vous dois la vie.
Oh, ça sert trop d'être gentil en fait. Merci. Propriété privée. Mais les gars, mais c'est trop bien. C'est oufissime. Hop là, donc là, 16%. Ok, parfait. Donc déjà, on a un plus gros quartier. Il se passe. Qu'est-ce que t'as encore? Eh mais franchement les gars, donc déjà t'as défoncé 3 mecs avec des armes à toi tout seul, donc GG. Alors franchement on peut dire que c'est un bel acte de bravoure. Mais aussi le mec nous a passé ses fragments alors qu'il était pas obligé. Franchement c'est trop sympa de sa part, je suis trop touché. En réalité, enfin ouais So what the fuck, je pensais pas. En plus, bon en plus on serait pris un on serait mort, clairement si on avait pris Enfin toute la cantine aurait explosé. Si on avait pris les bombes, pardon, n'importe quoi, les fragments à la place d'aider le mec, donc bon. Pieds et poings liés. Capturer des premiers fils pour nous. Ne les tuez pas. On les veut vivants pour obtenir un max d'informations. Je pense qu'on a un bon pouvoir, les gars, qui peut nous aider. C'est-à-dire les grenades. Et oui. On va aller voir un peu si on va récupérer quelques petits fragments. Et oui, vous avez vu que quand même le parc était dans le quartier historique. Tout simplement parce que c'est là où les premières victimes ont été trouvées. Et du coup voilà, enfin bref. Vous doutez bien que d'un point de vue roleplay, c'est normal. Sinon. Hop. Et boum. Et boum. Zou, ça dégage. Hop là. Alors toi. Bon bah pas de problème hein vieux. Tu veux te relever, tu veux faire le show avec moi et boum. Allez, hop. Allez, 3. Premier fils capturé. Non, c'est pas vrai. J'en ai capturé 3, déconne pas. Traquer et immobiliser 5 premiers fils. Alors oui, je veux bien les immobiliser et tout, hein, mais il faudrait peut-être qu'ils se montrent. En plus, je suis en zone méchante, les gars, déconnez pas. Attendez, on va un peu plus se promener vers là-bas. Bon, d'accord, les amis, j'espère que le Let's Play vous plaît toujours autant. C'est toujours un plaisir de vous le tourner, sachant que là, on arrive vraiment dans la partie intéressante, là où notre héros, peut se déshumaniser à tout moment, mais préfère rester humain, malgré tout, dans la voie qu'on a choisie. Donc bon, je trouve ça incroyable. Voilà, mais parfait. Franchement. Donc, on a fait une mission gentille supplémentaire. Donc là, je crois qu'on est à 10 missions gentilles. Ça veut dire qu'on peut augmenter de niveau notre cher petit surcharge brutale. Ah non, on était à 11. Attends, on peut voir. Eh. Voilà. Double les dégâts infligés par surcharge brutale nécessite 10 bonnes missions. Nanana. Bon, comment vous dire que je... Ah, ça c'est cool cette mission. Que y cacher. Allez. Comme ça, on va augmenter notre petite barre d'électricité d'une petite bubble. Ça devrait être facile à trouver. Bof. Plus c'est au niveau du coucher de soleil, mais attendez, on a ça qui est là. Alors déjà, c'est un peu plus bas, c'est en contrebas comme ça. Et là, on est à la limite, du coup, ça va être en arrière. Ça va être, ouais, ça va être là. Juste là, regardez. Hop, voilà, parfait. Bon, au final c'est cool, le colis caché était vraiment à côté, donc ça c'est parfait. En même temps les amis, hop, on va s'augmenter d'un niveau notre barre. Donc ça c'est aussi nickel, c'est quelque chose d'ultra bien. Et déjà 25% du quartier historique achevé les mecs, hein. Là on va trop vite dans le jeu. Mais vraiment, le game on est en train de le sécher comme jamais. Du coup, est-ce qu'on irait pas faire la sous-station en bas? On est chaud? Allez, on est chaud. Je sais que vous pouvez pas me répondre, allez ça dégage. Moi, je veux pas de problème les gars, surtout pas avec vous s'il vous plaît. Alors là, je me suis, mais... pas fait respecter à 1000%, hein. Là, clairement, le game m'a fait nique ta mère. Nique ta maman, les grands morts. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va utiliser une technique, vous allez voir. On va se débrouiller malgré tout. Mais je vous avoue que là, c'était violent. Les mecs m'ont mis mal en moins de 2 minutes. Donc, on va prendre les rails. Ce qu'on va faire... Regardez, hop, on va monter sur les rails, tranquille. Et on va se laisser porter jusque... Tout va bien. Vous avez vu la bigoulade pour que dalle. En mode je veux faire une roulade. Attends, hop, pareil, là il y a un petit fragment qu'on va gentiment se récupérer. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Et du coup les amis, le nouveau Let's Play va pas tarder à arriver du coup, parce que là il me reste 5 épisodes je pense. C'est une famous. Franchement là ça compte sur le bout des doigts. Avec celui-là, ça fera 6. Je pense que là, au niveau des missions secondaires, on a quasiment tout fini en soi. Les boîtes mortes, pas encore, mais il nous en reste combien? Il nous en reste combien, des boîtes mortes, les gars, vous savez ou pas? Voilà, boîte morte, pardon.
Plus ancien, oui, mais ça m'indique pas combien on en a. C'est... Sois gentil, s'il te plaît. Parce qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 ? Putain, il n'en reste plus que 4, les gars ! 4 boîtes mortes ? Ah, je pensais pas avoir autant nickel game. Va falloir s'infiltrer petit à petit. Ça va être chaud. Alors, par contre, respecte-moi juste 2 minutes. Allez, merci, parfait. Bon, mais tant qu'il y a personne sur les toits, je vous avoue que ça me va. Ça me va, et surtout, on va essayer d'y aller en mode un peu espion, je vous avoue. On va monter un peu sur tous les toits et tout et tout. Mais vous avez vu que la sous-station est très loin, normal, c'est la dernière sous-station, faut bien qu'il y ait du challenge, les gars. Et ouais, je suis désolé, je transpire quand même pas, les amis, actuellement, il fait 38 dans mon appart. Donc bon... C'est pas des conditions de tournage ultra optimales non plus. Je vous avoue que là, à Bordeaux, en ce moment, il fait tellement chaud. Putain, c'est une des premières fois qu'il fait aussi chaud à Bordeaux. Eh, mais vas-y, mais... Putain, mais au bout d'un moment, faut mourir, quoi. Enfin, je sais pas, c'est, tu dis... Ouais, ça serait cool que je mette fin à mes jours, à force. Tu prends 4 éclairs dans la tête, quoi, tu t'es pas censé faire le malin encore. C'est pour ça qu'être méchant, c'est pas mal, parce que tu peux faire des négociations ou que t'ailles. Hop là, on s'assure un petit chemin. Ok, on y est bientôt, les amis. C'est juste dans la prochaine rue. Ok, ok, ok. Le générateur de secours qui met bien. Ce niveau-là. Ok. Ok, la mission se trouve. Juste là, ok, ok. Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1. Hyper vitesse! Non, 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 non! Non! Respecte-moi! Fou! Vengeance! Bon, j'étais pas bien là. Ah, mentalement, j'étais pas sûr. Allez, toi, c'est dégage. Bonjour. Ah, mais. Fou! Putain, on a failli pas y arriver. En tout cas, on est dans la sous-station. C'est bon, on l'a fait. We did it! Oh merde, en fait je vais juste sauter pour faire ça, voilà, super. Allez, maintenant, je pense que là, tu vois, comme c'est la dernière sous-station, on va mettre tout en œuvre de ce qu'on a appris depuis le début. Donc au niveau de tous les pouvoirs. Allez hop. Ah, la dernière sous-station. Les amis, le dernier pouvoir qui n'est pas des moindres, car il s'agit du pouvoir le plus puissant du jeu, celui qui va niquer des mers. Mais à un point, vous imaginez même pas, je vous laisse découvrir ça. Et oui, les amis, c'est de lancer des gros éclairs comme dans le premier épisode. Bon, là, on peut rien faire, mais vous avez entendu ce coup de tonnerre venant du haut. Et ouais, les amis. Bah, car c'est bien gentil de lancer des éclairs, mais si on peut même pas les contrôler venant de l'extérieur, si on peut pas se nourrir des nuages pour les utiliser, ça sert un peu à rien, non, vous croyez pas? Allez, hop, toi, tu mérites même pas de vivre. Hop, parfait. On dégage. Voilà, nickel. Hop. Et comme ça, on a pas des soucis. Attends, y'a un mec là. Attends, y'a vraiment des mecs qui font les malins là. Vraiment. Vraiment. Voilà. Du coup, les amis, là, comme on a une attaque dévastatrice, vous vous doutez bien que. Mais on tue les ennemis, bah, ça va être une véritable partie de plaisir en fait. Clairement, ça va être une vraie planète de santé. Hop, on va se régénérer un peu. Attendez. Toi, tu dégages pour moi. C'est terminé. Aïe. Ok. Ça c'est bon, ça c'est fait. Le deuxième là. Et le troisième qui se trouve juste ici, qui est mort. Et la petite musique là qui s'enchaîne là. Oh yeah boy. Ok, il fait chaud, il fait très très chaud. Oula, oula, ça s'effondre, tout s'effondre, je répète, I repeat, tout s'effondre. Le truc qui s'effondre sur le pied, ah. Lancez une tempête foudroyante en maintenant. Flèche du bas enfoncée.
Atchoum ! Voilà. Et comment on déplace à votre avis l'éclair ? Grâce à la manette, les gars, et ça c'est stylé. Vous allez voir ça très très vite. Regardez comme ils se mettent bien alignés juste pour moi. Juste pour mourir, moi. Boum. Oh, ça fait tellement du bien. Regardez. Regardez les petits insectes là. Hein? Si bon de petits salopards. Oh, TG toi, salope. Je n'ai rien à vous dire, Moya. Oh, il y a des éclairs à côté de chez moi, tiens. Tu vois, t'as des éclairs ici, t'as des éclairs là-bas. Il y a cool là-bas. Ouais, enfin, tu pouvais ne pas être une salope aussi, mais bon, ça va, passons. C'était quoi votre plan ? Allez, ça dégage, pour moi. Et vous m'abandonnez à mon sort. Ok, bon, attendez. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est la fille qui a... Putain. Ah, ce genre de personnes qui se servent d'autres personnes insupportables. Par contre, les gars, vous êtes beaucoup. Vous êtes très beaucoup. Et vous avez vu que là, il y a 3 sous-stations à recharger. Parce que, malheureusement, le quartier historique, bah, c'est depuis le... Depuis qu'il y a eu le petit problème là, enfin depuis qu'il y a eu la métasphère qui a explosé, que bah ça a pas été rechargé niveau électricité. Donc bon. Enfin, obligé de faire ça comme ça quoi. Insupportable. C'est grave insupportable cette affaire. Je peux même pas avancer. Vas-y, recharge-moi, recharge-moi. Super, merci. T'es gentil, t'es gentil, t'es très gentil. Oh, tu meurs. Super. Allez hop, ça dégage. Pour moi, c'était qu'une petite partie de plaisir. Hop, 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 hop. C'est une sous-station, ça? Faut la recharger? Bon, on va recharger. Bah, attendez, d'abord, j'ai quelque chose à faire. 2 minutes. Ah, merde. Ah, je me sens un peu con, là. Ah, je me sens carrément con, attendez. Hop. Voilà, on va faire exploser ça, tranquille. Voilà, mais... Oh là là, tout ce monde. Ah oui, évidemment, faut que je sois moi aussi dans une zone où ça peut être. Ça va pas du tout là. Là, les amis, là, je suis pas bien. Là, je suis pas serein sur ce qui se passe actuellement. J'ai juste qu'il y a une sous-station là. Ouais, mais non, ouais, c'était obligé, c'était obligé. Par contre, Invincible, 5 en 1, les gars, on nique des mers. Bon, attendez, on va y retourner tranquille. Bien, on est de retour, mais par contre, y'a pas d'ennemis, du coup, c'est chelou, mais. Hop là. Peut-être qu'en faisant ça, ça active, non? Ok, c'est juste comme ça. Très bien, faut juste lui tirer dessus. Les stations sont vieilles. Elles risquent de s'activer par à-coup. Vous allez devoir les défendre jusqu'à ce qu'elles s'activent complètement. Ah, la bonne mission qui va durer très longtemps, en fait. Je suis désolé. Vraiment. Bon, les amis, bah ça durera longtemps. Hein. Écoutez, bah les reins, franchement, on a le pouvoir le plus stylé du jeu, donc autant en profiter un peu. Ah, ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Hop, ça vient par là aussi, y'a pas de problème, regardez-moi ça. Et boum. Oh, c'est tellement... C'est des barres, ce pouvoir c'est génial, on est d'accord. Ce pouvoir est vraiment incroyablement dingue. Ça, on est à 50%. Hop, 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 parfait, ça dégage. Bon, hop, je continue. Hop là, donc on est à 75% les amis. On va bientôt être à 100%. Parfait. Wow. Vous imaginez la max d'XP qu'on se fait quand même? Parce que fait, on a combien d'XP? 5011, on a augmenté de 2000. Ça. Parfait. Et une sous-station faite. Allez, next. La prochaine, c'est laquelle? Est-ce qu'elle est loin? Non, ça va, elle est pas loin. Elle est au 3 au. Alors, au 4 autres coins. 52 secondes. Aucune idée. C'est si important que ça. Elle travaille pour une autre agence et ça va. Putain, il veut qu'on fasse du cafter. Il veut qu'on soit un cafter et une balance. Hop là, allez. Je crois qu'on a des choses plus importantes à régler pour le moment. Ouais, j'avoue. On va s'occuper du reste quand on se sera chargé de Kessler. J'attends les ennemis là. Il y a beaucoup de mouvements dans votre zone. Préparez-vous. Est-ce que c'était pas prévisible entre nous? Déjà là, il y a des petites bombes. Va, 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 va. Il y avait autant que ça? Putain, il y en a encore un! Putain, mais il y en a plein! Il y en a plein, plein, plein encore! Mais what the fuck? Il y en a trop, les gars. Là, il y en a beaucoup trop. Là, je vous le dis. Ok, 25%. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de là! Ça vient de là! Ça vient de là! Reviens, reviens, l'éclair! L'éclair? Putain! Ah, il a chié dans la colle, là, l'éclair! Vous comprendrez donc jamais. Encore un peu.
Hop là, parfait. Pour moi, ça, ça dégage. Hop là. Pour moi, ça, ça meurt. Allez, hop. Toi aussi, là-bas, vous dégagez. Bon, là, il commence à y avoir de plus en plus. En plus, on est dans des petites ruelles. Du coup, c'est pas forcément très pratique. Je vous avoue. Tu es du méchant. Mais, franchement, pour le moment, on se débrouille bien. En toute honnêteté, honnête. Est-ce qu'on serait pas à 100%? Parfait. Deuxième sous-station faite, les amis, plus qu'une. Allez, ça dégage. Hop là, parfait. Putain, évidemment, on retrouve de la ville là. Tu pouvais pas me faire ça plus loin. Vous avez fait pour triche. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je sais à quel point c'est dur d'enterrer un être. Mais vas-y, mais ferme ta gueule, espèce de fils de pute. Voilà. Surtout quelqu'un d'aussi spécial. Mais crache-lui à la figure. Je vais vous tuer, Kessler. Je vais me faire un plaisir de vous dépecer. Il dit ça d'une telle manière. Je vais vous tuer en fait. Non mais c'est sûr en fait, vieux. Je l'espère. Cela fait très très longtemps que je travaille à ça et je suis fatigué. What the fuck? Attendez, mais mes cheveux ils font n'importe quoi aussi. Mais what? Mais il est trop chou ce mec. On dirait qu'il nous connaît, tu vois. Qu'il permet, et en fait, qui sait qu'il y a une situation horrible. On dirait que. What? What the fuck? D'où vous maîtrisez la téléportation, les gars? À quel moment? À quel moment tu maîtrises la téléportation, vieux? Oui, du coup, on dirait qu'il sait qu'il va y avoir un truc énorme qui va se produire. Ah, comme si c'était un être venant du passé. Enfin, ce qui est très bizarre, quand même, parce que voilà quoi. Enfin, ça serait s'il y avait un pouvoir comme ça, et je pense qu'il serait bien plus méchant. Et on dirait que le mec veut nous mettre en garde contre quelque chose, quoi, mais vraiment, bon, c'est trop chou ce qui se passe. Enfin bref, on verra bien, je pense qu'on saura toute la vérité quand on le battra, mais je vous avoue que ça me laisse perplexe un peu que toutes ces, entre guillemets, bonnes actions qu'il fait pour nous. Moi. On a peut-être pas la même signification des bonnes actions, qui sait. En fait, toi aussi, tu dégages. Enfin, je t'explique, t'as pas... Non, t'as pas le temps. Activation en cours. Oui, on a 50, tranquille. Hop, Eric, tu vas arriver là-bas. Hop, eh, mais ce pouvoir est pété, hein, les gars. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, maintenant qu'on a chopé tous les pouvoirs, dites-moi lequel est votre préféré en commentaire. Franchement, ça me fait plaisir de le savoir. Et est-ce que vous m'aimez voir celui comme ça en pleine vidéo? Parce que, je vous jure, là, actuellement, il est 22h. 22h, il fait encore plus de 30 degrés. Ah, on s'amuse à Bordeaux. Hein. Ah, je vous jure, là, par contre, il y a des éclairs en voiture, voilà. Hein. Ok, allez, le 100%, s'il vous plaît. Là, et non, pas 100% encore. Non, on fait passer ça dans la ruelle. C'est bon, ça passe crème, ça passe crème. Ça tue encore plein de gens. Non, ça tue plus personne. Allez hop, ça redégage pour moi. Encore un peu. Activation en cours. Oui, c'est bon, tranquille. Allez, toi, tu meurs, parfait. Allez, c'est bon, les amis. Je pense qu'on a réussi. On a réussi à battre vachement de personnes. Ça fait plaisir, les trois sous-stations sont réactivées, les amis. L'électricité va pouvoir revenir sur tout le quartier historique. Si ça veut bien se déclencher. Vengeance, mission terminée. Parfait. Bon, bah écoutez, une bonne chose de faite, on va juste récupérer la boîte morte qui se trouve à côté, les amis. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ce que Kessler voulait à Sacha, il se sert d'elle. Il change sa substance de contrôle en une toxine gazeuse. What? Un grand malade. Les psychopathes sont faits l'un pour l'autre. Mais oui, ce sont des grands malades en fait, hein. J'en suis bien conscient. Mais si Kessler parvient à disséminer sa toxine sur la ville, il pourrait prendre le contrôle de tous ceux qui y restent et les envoyer à vos trousses. Bah... Ouais, j'avoue, ça serait pas ouf. Donc bon, les amis, il nous reste encore 3 boîtes mortes. La routine, le mec tellement blasé aujourd'hui. Et je pense qu'on va s'améliorer un petit quelque chose qu'on a dit qu'on s'améliorerait depuis bien longtemps. Qui va être tout simplement l'onde de choc. L'onde de choc. Hop là, on va s'améliorer. Il nous reste donc 3869 expériences. Et on va s'améliorer aussi le mur à polarité. Dans les épisodes prochains, on essaiera de s'améliorer le drainage électrique, la coup de tonnerre. Et on aura tout acquis, sauf l'éclair. Parce que la méga foot, tu peux pas l'améliorer plus. Tu me comprends, tu les comprends aussi. Ça peut pas s'améliorer plus. Du coup, il me reste encore 17200 très exactement XP à obtenir pour tout améliorer, les amis. J'espère qu'on arrivera à le faire d'ici la fin du Let's Play. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un lourd pouce bleu pour la mort de Triche ainsi que pour le dernier pouvoir, à partager la vidéo et à la commenter. C'était très drôle ce que j'ai juste de dire concernant la mort de Triche. Mes amis, on se retrouve la prochaine sur une prochaine vidéo pour un prochain Let's Play dans un prochain épisode ou une prochaine aventure. Ouais, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye.